Salut à tous, salut à toutes, c'est Dir436 pour un nouveau let's play pour une nouvelle série sur Civilization Beyond Earth. Donc c'est le tout dernier de la série Civilization qui est sorti il y a quelques mois déjà. Je vous cache pas que j'étais un tout petit peu déçu, hein. Je vous vends très mal le début de la série, mais j'étais un petit peu déçu dans le sens où j'aimais beaucoup le souffle historique qu'il y avait dans les précédentes versions, de l'Antiquité jusqu'aux technologies futuristes, etc. Et puis on perd un tout petit peu cette profondeur ou ce background-là dans ce nouveau civilisation. Alors il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, hein, et moi je le trouve pas mal du tout, hein, j'ai joué quelques dizaines d'heures. Et raison pour laquelle, comme je m'oriente sur des let's play un petit peu futuristes, spatiaux, on va dire, dans ce style-là, c'est un 4X qui a fait ses preuves. Il y a beaucoup de mécaniques du premier civilisation qu'on retrouve là-dedans, ceux qui connaissent le verront assez vite. Alors on va lancer une partie. J'ai pris un mode, hein, pour varier un peu, il y a quelques améliorations graphiques et puis quelques factions en plus, comme les filles de Gaïa, etc., Human Hive. 2-3 éléments en plus, enfin moi j'aime bien, surtout Stargate, ils ont une bonne dégaine. Bref, qu'est-ce qu'on va se prendre? Moi je pense qu'on va se lancer, enfin j'ai fait 2-3 parties, j'aime bien le protecteur à cavite, hein, la Franco-Ibérie. Là j'avais envie d'aller... Ouais, de reprendre peut-être le protecteur à cavite, hein, de s'étendre assez rapidement. Ok. Alors, on va avec eux. Ils sont de culture indienne, ce ferreur. Il y a différents bonus de début de partie. Là, le type de colonisateur qu'on a. Est-ce qu'ils sont plutôt artistes, ingénieurs, aristos, etc. On va partir un petit peu dans la production pour s'étendre assez rapidement. Enfin, je pense que ça va être utile de produire plus vite, en tout cas. Rétrofusée, une zone d'atterrissage élargie quand on arrive avec nos vaisseaux depuis Alpha du Centaure. Ouais, ça je prends assez souvent, mais aussi comme je suis aussi assez souvent emmerdouillé par tous les extraterrestres et la faune locale qu'on trouve au début de partie, ça c'est un moyen de défense assez rapide, défense orbitale donc. Ensuite, une cargaison qui vient avec le vaisseau spatial, on va se prendre un ouvrier, ça je fais ça assez souvent pour aménager rapidement les ressources qui sont autour de la ville. Et puis quelque chose que j'ai pas fait souvent, peut-être un monde protéiforme, un terrestre type terre, Atlante avec plein de petites îles. Il y a quelques mondes avancés, mais j'ai pas testé, on va pas tester maintenant. Allez, le monde protéiforme, on y va. Alors, juste avant de commencer la partie, je trouve que l'intro du jeu est assez sympathique. Elle dure 2 minutes et demie. Donc, je vais vous la mettre avant de commencer effectivement la partie. Alors, je vous dis à tout de suite. Des grandes civilisations terrestres, nous avons été choisis. Certains élus pour leur talent, d'autres pour leur force. D'autres par pur hasard. D'immenses vaisseaux incarnant l'ingéniosité, le courage et la foi de chaque nation. Nous sommes partis chercher un nouveau foyer dans les étoiles. Propulsés vers le ciel,
Nous avons emporté dans nos bagages les espoirs et les rêves de se rester sur Terre. Notre périple jusqu'aux confins de l'espace fut long et paisible. Et c'est aujourd'hui qu'il s'achève enfin. Nous admirons notre nouveau monde pour la toute première fois. Notre destin nous attend sur ces rives extraterrestres. Un nouveau départ pour l'humanité. Voilà, alors j'espère que vous aurez apprécié. Voilà, produire et déployer les satellites. Super. Une fois construit, un satellite que j'ai un satellite. Oui, j'ai mis quelques aides parce que ça attire l'attention. C'est moi, bon, j'aime bien. Donc, tac, 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 pas mal de ressources. C'est pas trop mal par ici, ça me plaît. On va se mettre ici. Sur la colline. Vous avez terminé la production d'une unité pouvant être envoyée en orbite. Pour la lancer, sélectionnez-la et cliquez sur son bouton d'action. Ok, bon, on a un satellite qui est prêt à être lancé. Bah, je vais pas le lancer tout de suite parce que les satellites ont une certaine durée de vie et puis là pour l'instant il n'y a pas de menace. Allez, on va le mettre à faire dodo. Ça c'est mes explorateurs qui me permettent, comme leur nom l'indique, d'aller voir ce qui se passe dans les environs. On va dézoomer un peu. Là il n'y a rien d'intéressant pour lui. Et puis l'ouvrier je le mets en automatique pour qu'il aménage ce qu'il y a là autour. Ma première construction, on va commencer avec un peu de culture. Vu que c'est plus de par tour, ça nous fera atteindre plus vite le premier palier pour s'acheter des valeurs. C'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Choisir une techno. Bon alors, arbre de technologie est assez différent de ce qu'on a pu connaître sur les autres civilisations. Il y a des cercles concentriques comme ça, avec des technologies de plus en plus avancées qui permettent de débloquer des bâtiments, des merveilles, de donner des points dans les affinités qui sont les petits icônes qu'on voit là en haut à gauche, qui sont des grandes orientations, on va dire philosophiques et politiques, et qui octroient différents bonus en fonction de leur philosophie propre. Enfin, en deux mots, l'harmonie, c'est une sorte de doctrine de fusion avec l'environnement, un petit peu New Age, on va dire ça comme ça. La pureté, c'est la fidélité à l'esprit de l'espèce humaine, etc. On l'améliore, mais on ne le modifie pas. Et puis, la suprématie, c'est un truc un petit peu, un trip technologique. Qui voilà. Puis en gros, vu ces des orientations qui sont assez différentes, eh ben, ça crée des problèmes en fait diplomatiques. Bon. Pour commencer, on va aller assez vite vers l'exploration qui permet de faire un colonisateur et puis les convois commerciaux et encore l'entrepôt de marchandises qui donne un bonus en production de plus 1. Alors go, c'est parti. Voilà, on a fait les actions du premier tour. Alors là, on a de l'aéroche qui est une ressource stratégique qui permet d'avancer dans la pureté en fait. Enfin, qui est utile dans la doctrine de la pureté. Bon. Ah, voilà, ça donne un assez de ressources, des 3 bonus en énergie qui est là. C'est donc un petit peu la monnaie du jeu. On peut avoir des points en culture aussi, enfin, différents bonus. Puis au passage, pour ceux qui ne connaissent pas, vous voyez ces petits nuages verts qu'on voit là et là, c'est des miasmes, c'est sécrété par la faune locale ou la flore locale, j'en sais rien. Le fait est que c'est toxique et ça fait des points de dégâts si on s'arrête dessus. On peut les contrecarrer avec différents moyens qu'on verra gentiment par la suite, ou même si on développe l'harmonie, ça nous donnera même des bonus en points de vie, en tout cas en récupération de points de vie si on s'arrête dessus. Ok, alors tour suivant.
Toi, on va t'envoyer là-bas. Là, il est en train de couper de la forêt qui me donnera un petit peu de production. En plus. Voilà, on continue d'avancer. La salle de ressources fouillée, ça m'a donné un bonus en science. Tout au long de la partie, vos actions enclencheront diverses quêtes permettant de débloquer des voilà. bonus pour votre peuple. Il le dit pour moi. Consultez régulièrement le journal des quêtes pour... Alors, le journal des quêtes. Cadeau maison. Alors, si je trouve 3 nacelles, bah, je vais gagner quelque chose. D'ailleurs, je sais même pas comment... Si on peut connaître le bonus qu'on va recevoir à l'avance pour les quêtes. Bon, on verra. La Phyraxide, ça c'est utile pour la suprématie. Intéressant d'en avoir par là les deux. On peut très bien développer des points dans les deux, hein. Ça c'est pas interdit. Une autre petite nacelle là-bas. Pas trouvé beaucoup d'extraterrestres là. Enfin d'extraterrestres. Oui, on va les appeler comme ça. Ah, un nouvel arrivant. Une nouvelle faction. Ça, c'est les Africains. Salut. Greetings. La culture. Et je peux développer une valeur avec ces points de culture. Donc, les valeurs, on a puissance, prospérité, savoir, industrie. Et puis donc l'industrie ça donne des points en production, le savoir ça se passe de commentaires, la prospérité c'est pour le développement de la population, la nourriture et compagnie, et puis là c'est tous les bonus militaires. J'ai envie de croître assez vite, donc on va se mettre un petit peu dans la prospérité. Si on remplit toute la prospérité on a un bonus de plus 10 dans toutes les villes, là, c'est représenté par ces petits points, donc il me faut 5 valeurs, et puis on progresse également ici, et puis à chaque palier on a, par exemple, là c'est une valeur gratuite si on en remplit les 5 premiers. Ah. Ok. Alors, on va explorer encore un petit peu par là au sud. Ma pop augmente, c'est bien. Merde, je me suis foutu sur des miasmes. Bon, c'est pas très grave. Votre explorateur a remarqué une anomalie. Il y a trop d'extraterrestres là, je vais me le faire buter. Il pourrait s'agir d'une ruine, d'une épave ou d'un élément extraterrestre. Ok, une autre nacelle. Il faut développer notre valeur. Je peux avoir un ouvrier gratuitement. Ah, je pourrais aller là puis avoir ensuite un colonisateur. Ouais, on va essayer. J'avais oublié qu'on pouvait faire ça. Veuillez m'excuser. Ta gueule. 15 en science. Ouais. 50 d'énergie. Parfait. Ça, c'est parce que j'ai dû compléter la quête. Étudie exploration. Ah non, il faut que j'étudie exploration. Je suis con. J'avais pas vu. Ouais. Non, c'est bon. J'ai fait toutes mes actions. Encore un peu de Phyraxide par là. Faudrait que j'aille voir un petit peu au nord de ma ville. Je m'éloigne. Alors, je pourrais faire un ouvrier, puis pas grand chose d'autre là. Ouais, on pourrait. Pourquoi pas. De toute manière, pas vraiment le choix. Donc, lorsque nous sommes venus sur cette planète, nous avons porté avec nous un certain nombre de plantes. Oui, alors est-ce qu'on les laisse se développer ou est-ce qu'on les contient? Bah, si on les contient, on favorise la faune locale et puis on s'oriente vers l'harmonie. Et puis sinon, si on laisse faire, bah voilà, on propage les plantes qui viennent de la Terre. Donc, moi, je vais plutôt m'orienter vers la pureté ou la suprématie. La quête terminée, c'est pourquoi? Exotique. Oui, c'est la quête là maintenant. Ça me donne un petit bonus en culture. Alors, on va continuer à avancer. Décision de quête. Chapitre 2. Qu'est-ce qu'on va faire avec les plantes envahissantes? Produire des cultures alimentaires ou produire des cultures énergétiques?
Alors, bonne question, hein. Ah, allez, on va aller plutôt un peu plus vers la pureté. C'est un petit peu arbitraire, hein. J'y suis allé à la fraîche là. Alors, depuis que j'ai une clinique, la population est divisée par un réel clivage idéologique. Vous verrez, il y aura toujours des petits choix, des quêtes qui pop comme ça, pour qu'on favorise plus ou moins un aspect du jeu, une population du jeu, les villes, enfin bref. Donc, on va, pour les cliniques, on va produire plus de santé. Petit mot sur la santé. Si ça descend en dessous de zéro, bah on est dans l'insalubrité. Et puis si c'est trop, bah la population croît moins vite, ça crée des désordres, etc. C'est un petit peu l'équivalent du bonheur en fait. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Alors. Rien d'autre à faire. L'univers est sujet soit à Voilà, j'ai fait l'avancement, exploration. soit à l'entropie. Alors, au niveau technologique, maintenant, on va aller vers l'ingénierie. Ça nous permet de faire des rovers de combat. Ça sera assez utile. Et puis des réacteurs à thorium pour un peu plus d'énergie. On peut faire qu'une recherche à la fois. Enfin, je veux dire, on peut pas les mettre en file d'attente, surtout. Ouais, on va par là. Encore une petite nacelle dans le coin. Ah, il est méchant. Normalement, les extraterrestres n'attaquent pas trop, sauf si on est proche d'un de leurs nids. En début de partie, si on commence à les agresser en permanence, c'est une autre histoire. Ah, nouvel arrivant. Vous voyez qu'ils arrivent au fur et à mesure. Il y a les scores ici, en bas de la map, là. Spoutnik, Les Slaves. Slavenska Fédération pozdrawiaje tebia. Alors, hop là, un petit peu plus de science. Oui. On va se faire l'entrepôt. Et puis, hop, en automatique, l'ouvrier. Je devrais, ouais, dans 2 tours, je vais pouvoir développer une valeur et je prendrai le colonisateur. On va aller par là-bas. Ah, ok, tour suivant. Là, des missettes. Ça, il faudrait que je les exploite après. Donc, on a dit colonisateur. Est-ce qu'on a un endroit. Ouais, c'est quand même un peu loin. Et puis, j'ai pas de soldats, j'ai pas envie de l'envoyer. Je vais pas l'envoyer tout seul dans la nature comme ça. Dès qu'on a construit notre entrepôt, on va faire un soldat, enfin un rover de combat. Toi, tu montes par là. Ouais, peut-être qu'il y a un endroit favorable aussi dans le coin. Je peux plus avancer avec lui. Ok. Ah merde, je me suis arrêté encore sur des Excusez-moi, j'ai une saloperies de information miasme. importante à vous communiquer. Oui, je peux faire du commerce avec des convois commerciaux. Moi, je vois personne à proximité. Alors, le. Je pourrais pas faire un rover. Ah non, c'est la prochaine recherche. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire en attendant? Allez, un petit peu de développement industriel. Ça magazine de l'énergie. L'énergie, ça peut servir à acheter différentes choses. Enfin, différentes choses. Quand je dis des choses, c'est des bâtiments, des structures en plus. Essentiellement. En tout cas, en début de partie. Alors, coût d'entretien gratuit pour toutes les. Ah, c'est les reliques. Ouais, on va se prendre ça. Ou de la culture en plus. Ouais, bah, j'ai pas beaucoup d'énergie pour l'instant. Il faudra que je fasse un réacteur à thorium. Là, il y a des. Des bébêtes. C'est comment ils s'appellent ces machins déjà? Dragon des mers, extraterrestres. Ah oui, ils les appellent les extraterrestres, donc ça va. Dans les miasmes. Oui, bon, bah il n'y a plus grand-chose par là.
tour suivant, je vais pouvoir faire mon rover. J'ai juste pas envie de me faire défoncer le colonisateur comme ça, c'est trop con. Ça m'est arrivé déjà plusieurs fois. Enseignez aux enfants. Les envoyer tout nus là, comme ça, loin en plus. Alors, pour la suite. Laboratoire, recycleur, ouais, ça va donner des bonus en... Ouais, on va aller vers la chimie, puis ensuite la génétique. De toute manière, toutes les technologies du premier cercle sont importantes. Ok. Ah mince, j'ai oublié de lancer la construction de du rover. Oui, bonjour, ça c'est les nouveaux arrivants. Donc, le rover de combat 8 tours, bon, un petit peu longuet. Encore une production de fou. Ah bah voilà, si, je pourrais faire une ville ici, c'est un peu plus proche. Allez, juste checker qu'il n'y ait personne, ok. Alors, de la production ou de l'énergie? On va mettre de la production. Toi, t'attends sagement là. Tiens, ça a bougé ou quoi? Bon. Plusieurs nouvelles entreprises souhaitent venir s'établir. Oui, alors là, ils demandent le choix. Est-ce que je veux une station avec qui je peux commercer qui me fournit de la production ou de l'énergie? Alors, c'est les Minstead ou Soleil Rouge. Alors, Minstead. Vous avez découvert une station. Voilà, elle est là. Et établir des routes commerciales pour recevoir divers ravitaillements utiles à votre peuple. On va essayer de faire ça. Pas d'IT. Je ne sais pas pourquoi ils ont vraiment la sale tendance à attaquer mes colonisateurs. Voilà, c'est pas mal ici. Il y a quoi là? Du silice, titane, cool. Ah, la compagnie. Donc je suis en deuxième position maintenant. Salut. Donc petite ville côtière. Alors voilà, j'ai fait la quête, récompense une unité de type soldat. Très bien. Là j'ai mon rover, il sera pas trop dans un moment. Mais je trouve ce début de partie, il est sympa quoi. Je me fais souvent plus agresser que ça. On va faire le réacteur Atorium, bah oui. Puis après oui, il faudrait que je fasse un convoi commercial. Est-ce que je peux d'ailleurs? Oui, je peux. Ça fait de la prod. Ouais, non, on va faire le réacteur Atorium. Je suis à seulement plus 2 d'excédent. C'est pas beaucoup. Et puis on va continuer à explorer par là-bas. Un soldat, on va le bouger un peu. Rover, on va checker là. Ouais. Votre explorateur a remarqué une anomalie dans les environs. C'est où? Il c'est pourrait quoi, s'agir c'est ça d'une ruine, d'une épave. Ouais, c'est ça. Alors, unité en attente d'ordre. Petit rover. Voilà, on va le mettre en position là, comme ça il check un petit peu. Il faudrait que je me bouge par ici, pour une autre ville. Alors, les mines, les soldats. Ouh, ça c'est un ver des sables, ça détruit tout sur son passage, loin. Ah oui, quelque chose que je devais développer rapidement, c'est la barrière sonique. Ça fait deux cases autour d'une ville où les vers des sables viennent pas emmerder. Et puis quand ils rentrent, alors ils détruisent tout, quoi. Et ils sont très durs à tuer, surtout avec les unités et les armes de début de partie. Ah ouais, cœur, ça c'est la Franco-Ibérie. Ouais. Franco-Ibéria vous accueille chaleureusement. Ouais, c'est ça. Alors, production, serviabilité, vitesse de construction des aménagements, ça, ouais, c'est bien.
Là, j'aurai un ouvrier gratuitement. Et j'aurai complété le premier niveau des doctrines. Des doctrines, des valeurs dans la prospérité. Ah, alors, on reste sagement ici avec notre rover. Voilà. Monter une expédition, 5 tours. On peut passer par là, ouais, ok. Découvrir la chimie. Alors, nouvelle techno. C'était, on avait dit génétique, mais là, j'aimerais quand même avoir l'écologie. Ouais, pour mon vivarium, c'est de la nourriture en plus. Et puis la barrière ultrasonique. Ça m'a aidé plus d'une fois. Ok. Ouais. Ah, cul-de-sac. On va revenir là. Il y a le verre qui doit être par là. Ok, alors construction, recycleur. Ouais. Ou laboratoire pour la science. Ouais, on va se booster un peu au niveau de la science. C'est un peu longue, là, nos recherches. Ah, voilà, la nouvelle ville. Nouvelle ville, nouvelle ville. Allez, l'entrepôt. Que ce soit, que ça produise vite et bien. Le plus rapidement possible. Votre Alors, explorateur a découvert quelque chose sous de les ruines merveilleux. des Il progéniteurs. existe de nombreux sites semblables dispersés dans le monde. Alors D'accord, à n'hésitez partir pas à d'une pierre produire des humaine, des intégrés qui explorateurs pour viennent, les envoyer après avoir été inspecter ces manipulés. différents Le lieux. reste du dédale est vide et silencieux. Les connaissances obtenues grâce à ces appareils permettent de mieux comprendre en partie une technologie lointaine, l'hypercalcul que nos scientifiques ont ainsi pu commencer à étudier. Bon, sympa. Et notre petite nacelle. On va revenir par là, voir où il est le vermisseau. Une Je souhaiterais attirer station. votre attention sur un point. De la culture. Ça c'est quoi ça encore? Ah mais je peux pas explorer parce que les explorateurs doivent retourner se refaire la voyer, mais il n'a plus de module d'expédition, donc il doit retourner sur une ville avant d'aller plus loin. Tiens, est-ce que je peux m'acheter un convoi commercial? C'est sous-acheté. Ça coûte 270. J'ai 216. Non, donc je peux pas. Faudra que je patiente ou que je le construise. Voilà, on avance encore. Un peu plus vite. Il se passe pas grand-chose. Alors, les soldats, ils restent par là. Le recycleur ou le convoi commercial. Allez, convoi commercial. On peut aussi l'envoyer pour ravitailler la deuxième ville, là, ça ira en l'occurrence. What's ours is yours for a price. Ouais. Pourquoi pas? Allez, on fait ami-ami. Je suis premier là pour l'instant. Hop, donc mon explorateur est revenu, on va le soigner un peu. What's ours is Du yours passage, for a carrément. price. Allez. Nouvelle technologie, ok. Bon, la barrière, est-ce que je la fais pour être complètement tranquille? J'ai le recycleur ou le vivarium. Ouh là là, mince, je suis allé un petit peu trop. J'ai moins 3. Bon, c'est jusqu'à moins 10, ça va à peu près, mais j'ai moins 6% de croissance dans les villes là à cause de ça. J'avais pas vu que j'avais niqué ma santé. Bon, allez. Barrière ultrasonique. Ouais. Alors, qu'est-ce qui. Oui, il faut que j'aille vers la génétique, ça va me permettre de faire les pharma laboratoires. Plus de en santé, et puis il n'y avait pas une autre encore. Ouais, il faut aller plus loin après. Jardin génique, puis il me faut que je développe la pureté pour accéder à ça. Sinon, je peux filtrer et mettre qu'est-ce qui me donne de la santé. Et là, bah voilà. Ça, j'ai déjà construit, mais il y a les. Ouais, mais ça, c'est. Il reste encore beaucoup de recherches à faire. Le plus accessible, c'est encore d'aller dans cette voie-là, vers la génétique, conception génique et compagnie. Bon. On voit commercial. Alors, qu'est-ce que j'ai comme option?
Voilà, plus qu'à ton production, ou alors donner de la nourriture et de la production à l'autre ville. Ouais, allez, on va se prendre la production pour la capitale. Ça construira plus vite. Voilà, on a gagné 2 tours. Oui, qu'est-ce que l'explorateur? Oui, il est guéri. Alors, renvoyé en haut, il y avait un site à explorer. C'est quoi ça? C'est un satellite qui s'est accidenté, donc normalement l'explorateur peut aller dessus, ouais. Voilà, je me fous dans les miasmes, évidemment. Purée. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent les Slaves? Ouais, j'accorde beaucoup de valeur à la vie extraterrestre, c'est bien. Suivant, allez. Voilà. On explore. Ça prendra 5 tours. Comme avant. Excusez-moi, j'ai une information importante à vous communiquer. Le recycleur, le vivarium. On va aller vers le recycleur parce qu'il ne faut pas que je me développe trop là. Plus j'aurai de population, plus je vais avoir des problèmes pour gérer ma santé qui est déjà un peu moyenne. Donc la clinique, on y va. Vous partez à la guerre. D'ailleurs, là, je peux construire maintenant. Ouais, la cytopépinière, c'est plus 1. Là. Allez, plus 2. En santé, on va vers ça. Alors, aucun filtre. J'ai un peu plus de science, puis ça me permettra de construire le ranger. Ça, c'est pas mal pour combattre à distance. Après, il y a la bionique, les séromachines pour la pureté. Il y a 2-3 options. Ouais, puis l'informatique, oui, ça, c'est très important. Pour l'espionnage. Ok. Bon, voilà, je crois qu'on s'est mis en place pour le début de partie. C'est pas trop mal. Plutôt prometteur. On est déjà premier. Bon, il n'y a pas beaucoup d'écart. Mais ça devrait pas trop mal se passer. Alors voilà, on retrouve quand même. J'ai pas fait toute la comparaison avec Civilization, mais pour ceux, et en tout cas les précédents, pour ceux qui connaissent, vous voyez qu'on s'y retrouve. Mais que c'est assez différent. Et ouais, c'est assez différent. C'est le tout début, il y aura d'autres choses à explorer ensemble. Alors voilà, c'était DRK36. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, soirée, nuit. Peu importe tout ça, on est sur Internet. Donc à tout bientôt. Ciao!